Bonjour, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la guidance du moment et même de la semaine. Alors, je vais commencer par te dire que ce soir à minuit, l'offre pour le pack de coaching et intuition, de 10 ateliers de coaching et intuition, si tu souhaites trouver ta mission de vie, comme on dit, ou la voie de ton âme, être plus à l'écoute de ton intuition, se termine ce soir. Il y a 30 euros de réduction avec le code en majuscule PACK, PACK 2023. Ça se termine ce soir à minuit. Nous sommes le lundi 31 juillet. Et une dernière petite chose, j'arrête, peut-être que tu as déjà entendu, les visioconférences, les guidances personnelles en visioconférence de 1 heure à partir de demain. C'est-à-dire que tu pourras plus réserver une séance avec moi en guidance personnelle de 1 heure en visioconférence à partir de demain. Je vais continuer de faire les guidances personnelles en audio enregistré, envoyé dans ta boîte mail ou en vidéo enregistrée, exactement comme celle-là que tu as devant toi, que tu es en train d'écouter, envoyé aussi dans ta boîte mail. Je ne ferai plus les guidances de 1 heure en visioconférence à partir de demain. Donc si tu veux en réserver une pour le mois d'août ou le mois de septembre, eh bien c'est maintenant, si tu regardes cette vidéo lundi 31 juillet, parce qu'après bien sûr il sera trop tard. Mais tu auras toujours la possibilité de recevoir une guidance personnelle par moi, Carole, Sacré Féminin, en audio enregistré ou en vidéo enregistré. Tu as tout sur le site internet. Tu as le lien sous la vidéo sur YouTube. Et tu as le site internet sur Instagram et sur Facebook aussi, ou sacré-féminin.com. Nous sommes partis. Qu'est-ce que le grand jeu de Mademoiselle Lenormand va nous dire? Alors, je continuerai les visioconférences avec les personnes qui m'ont déjà fait confiance en guidance personnelle. Voilà, c'est justement pour pouvoir avoir suffisamment de créneaux pour les personnes qui m'ont déjà fait confiance. Et pour passer plus de temps avec mes enfants. On y va. Hop! Ici, j'aime beaucoup cette carte-là parce que c'est un petit peu voilà le repos du moment, les déesses qui se prélassent au bord de la rivière Pactole. C'est une carte qui va nous parler d'abondance, hein, qui est plutôt agréable, d'échange aussi. Elle va nous parler beaucoup du matériel avec le 2 de trèfle, bien évidemment. Elle nous parle de richesse et de bonheur, de satisfaction. Voilà, ça nous parle aussi de créativité. C'est un petit peu le moment avec la lettre J en ce moment de voilà d'utiliser ta créativité. D'ailleurs, c'est dans le repos que tu peux avoir accès à ta créativité. Donc, c'est aussi la carte des opportunités. On parle de chance, d'opportunité et qui apporte la réussite, la victoire, le succès dans tous les domaines de vie. Évidemment, on va regarder avec les cartes qui peuvent être autour, hein. Comme toujours, elle nous montre aussi une bonne énergie psychique, hein, voilà, morale, mentale. Donc là, il est question vraiment, bah voilà, de cadeaux, d'héritage, peut-être même de rentrées inattendues financières, hein, c'est qui peuvent faire du bien aussi. Il y a cette notion, je disais que cette carte, bah, elle est tout à fait. C'est la carte du moment, tout à fait dans le contexte voilà, de l'été, du repos, parce qu'elle te permet de te sentir bah, bien dans ta tête, bien dans ton corps. Elle t'apporte de la tranquillité et plus de légèreté aussi également, hein. Mais d'ailleurs, j'ai bien envie d'aller prendre l'oracle. On va continuer avec elle, bien évidemment. J'ai bien envie d'aller prendre l'oracle sacré quand même pour voir de quoi il s'agit. D'ailleurs, tu peux le commander. J'ai déjà lancé les impressions, ce qui fait que tu vas le recevoir plus tôt. Tu peux le recevoir en septembre au lieu de novembre, au lieu d'octobre-novembre comme je l'avais annoncé. Pareil, hein, sacré-féminin.com pour te le commander. Parce que je devrais le recevoir, tous les oracles fin août si tout va bien. Donc il va arriver plus tôt. Tu souhaites le commander. Il arrive dans une était livré dans une boîte. Hein, voilà.
Il a 89 cartes, dont 16 figures géomantiques. Il y en a deux qui sont tombées ici. Et tu reçois avec dans ta boîte mail, quand je te l'envoie, le PDF d'interprétation des cartes. Là, la source, le divin. Alors, ça va complètement avec la carte de l'abondance, avec notre 2 de trèfle. Il s'agit de ça aussi, de la chance, évidemment, de la protection. Tu es soutenu par l'univers, tu vois. Et c'est pour ça qu'on parle de chance aussi, d'opportunité. Donc, elle va complètement, elle est en cohérence avec notre carte du 2 de trèfle et des déesses qui se prélasse au bord de la rivière Pactole. Et derrière, j'ai quoi? Ah, la petite coquine. Eh bien, j'ai la carte de la métamorphose, de la transformation. Ça fait du bien. Il y a quelque chose qui a bougé, il y a quelque chose qui a changé. C'est en cours. C'est vraiment en cours. Peut-être que tu peux juste le ressentir à l'intérieur de toi. Hein? Il est question de déployer tes ailes, de sortir de la chrysalide. On sait que ça fait mal quand la chenille qui est dans la chrysalide, qui s'est transformée en papillon, quand elle sort, elle doit décoller ses ailes, c'est tout gluant, elle doit les décoller, les déployer, ça doit être douloureux. Elle ne sait pas vers quoi elle va non plus, mais voilà, elle devient ce magnifique papillon. Voilà. Et ça me parle en fait parce que c'est tout le métier que je fais en tant que coach de vie, hein, accompagner, donc être à côté, bien sûr, pas faire à la place d'eux, être à côté, accompagner ces métamorphoses, ces transformations. Voilà, ces phases de changement, c'est vraiment un accompagnement vers le changement. Eh bien, je trouve qu'il y a beaucoup de légèreté, je te parlais de légèreté. Hein, et bien voilà la légèreté d'être le cœur, de se sentir mieux, l'esprit tranquille, le cœur léger, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme le papillon. On continue. Regarde comme elles sont douces ces deux cartes. Moi je les aime beaucoup. Je vais les mettre juste devant. Là tu les vois pas, tu vois, elles sont ici sur la table. Je continue avec le Normand. Eh bien, il y en a trois qui viennent. Alors, je vais te raconter l'histoire des trois. Ici, tu as l'œuvre noire. Donc, pour moi, c'est vraiment après une période difficile. Donc, ça me parle du passé, ces trois cartes-là. Après une période difficile qui est l'œuvre noire, eh bien, tu vas retrouver la joie, Laetitia. Et effectivement, avec la lettre A qui a une codification 1, tu pars vers quelque chose d'autre, vers un nouveau commencement. L'œuvre noire, c'est une phase d'épuration. D'abord, la matière, d'abord, avant cette carte-là, l'alchimiste, c'est le signe de la balance d'ailleurs, dans le grand Mademoiselle Lenormand, et c'est le valet de pique, toujours dans le grand Mademoiselle Lenormand. Eh bien, va peser la matière. Une fois qu'il pèse la matière, il la met dans la lampe philosophique et il s'attend à ce que la matière devienne pierre. Et il a beaucoup d'espoir quant à cette transformation. Ensuite, cette pierre va se purifier en fait, hein. Le plomb va devenir en or. Donc, elle va se purifier pour justement aller au cœur de la pierre, trouver cette pupille, trouver cet or. Et c'est toute une phase de transformation, exactement comme notre chenille qui devient papillon. Eh bien, qu'est-ce qui a amené ici? Ce qui a amené ici, c'était peut-être la fausseté, la trahison. Quelque chose d'assez guerrier. Voici la guerre de Troie avec ces deux cartes-là, le cheval de Troie. Quelque chose que nous n'avons pas vu venir. Hein, les Grecs se sont cachés dans le cheval de bois. Et c'est comme ça qu'ils ont pu prendre Troie parce que les Troyens ont ouvert la porte, ne voyant plus les Grecs, ils ont ouvert la porte de la cité. Le cheval est entré, mais les Grecs étaient cachés dedans. Donc quelque chose qui est venu aussi peut-être dans le cœur, à l'intérieur, et qui n'était pas visible et qui a pu faire beaucoup de mal.
Alors, ça a pu être difficile. Moi, j'aime bien ici, on a Jupiter. Il est question aussi, Jupiter nous parle de force, d'autorité aussi. Hein. Il y a une notion peut-être d'affirmation, là, quelque chose comme ça. Après, c'est intéressant parce que après, on a Saturne aussi également. Je crois que si je ne me trompe pas, il va être question aussi de persévérance avec Saturne, hein, de persévérance, d'organisation. Et justement, c'est pour ça que tu vois là, les guerriers viennent voir le prophète Calchas, en fait, pour pouvoir connaître la voie à suivre. Donc peut-être que c'est important de prendre ces informations pour faire face voilà, à cette tromperie, à cette fausseté, pour connaître quelle est, voilà, quelle est l'action suivante à mettre en place. Alors, je te parlais de Jupiter tout à l'heure aussi, et Jupiter, ça nous parle aussi de volonté. Tu vois, c'est intéressant qu'on ait ces deux talismans, Jupiter et Saturne. Parce que il y a cette notion voilà, de volonté, d'autorité, de persévérance. On te dit de continuer tes efforts. Il y a une belle protection ici. Et n'oublie pas que on avait là. La protection, elle était là. Les aides sont là. La chance, les opportunités sont aussi ici avec les déesses qui se prélassent au bord de la rivière Pactole. Voilà, les questions de retrouver sa joie, on a le J aussi, hein, même s'il nous parlait beaucoup de créativité, mais avec Laetitia aussi, les questions de retrouver sa joie. Alors, on a peut-être un cycle qui nous emmène avec Laetitia vers le printemps prochain, c'est possible. Alors, pour les personnes qui ont des connaissances en astrologie, il y a peut-être quelque chose qui serait intéressant à aller voir. Alors, je ne suis pas astrologue, c'est pas du tout mon domaine, mais quelque chose qui vient de me traverser complètement de manière intuitive, peut-être de voir justement quand Saturne et Jupiter influencent en fait, nous influencent le plus. Justement dans les mois à venir ou l'année prochaine. Ça peut être intéressant. Et peut-être que c'est maintenant, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a l'aide, il y a quelque chose qui vient s'imposer avec Jupiter et Saturne ici. Voilà. Alors, je vais continuer, je mets mes trois cartes de côté et j'aimerais bien entourer. Eh bien, elle sort toujours deux par deux, c'est fou ça. Ok, on a toujours la guerre de Troie ici. Cette fois-ci, on a le talisman du soleil. Et donc là, il va être question, eh bien, de conflits et de conflits intérieurs, d'y faire face, toujours en résonance avec les trois cartes qui sont ici. Voilà. Uran, on pourrait avoir Uranus aussi, je ne sais pas. Tu as des lettres ici, tu peux aussi parfois construire des mots. Donc là, il y en a un qui veut faire la paix. Je vais peut-être reculer un petit peu. Voilà. Il y en a un qui veut faire la paix ici. Et l'autre qui va pas attaquer mais qui est en défense. Tu vois, il va pas attaquer mais il est en défense. Voilà. Donc, moi, ça me parle beaucoup de conflits intérieurs, de soucis avec Oda Draconis, c'est un des soucis. Voilà. Mais il est question de retrouver. D'abord, il est question de victoire, puisqu'elle va aller là. Pardon. J'ai quelque chose qui me gratte dans la gorge. Et il y a une victoire sur les soucis. Hein. Peut-être qu'il y avait des bruits familiales. Hein. Il y a peut-être eu des bruits familiales ici avec ce petit sujet-là. Là, c'est vraiment la famille, le clan, la communauté, l'as de cœur. C'est. Vraiment tout ce qui apporte beaucoup de joie et d'amour et de réussite. L'as de cœur, les as sont toujours puissants et annoncent aussi vraiment la joie, les opportunités. Il y a beaucoup cette notion de chance et d'opportunité, je trouve, aujourd'hui. On parle d'union familiale, mais bon, le petit sujet, il nous disait très clairement que c'était qu'il y avait peut-être des désaccords, des soucis. Là, on te dit que justement les conflits, donc ça peut être dans le foyer, ça peut être dans une relation hein, amoureuse ou professionnelle, mais
parce qu'on a quand même deux fois du trèfle aussi, donc le trèfle c'est beaucoup lié au matériel. Il est question d'avoir un petit peu plus de souplesse, peut-être plus de souplesse, plus de tolérance, si on te dit que justement les conflits pourront être calmés. Voilà, là on nous parle ici, on les a ici les conflits, et là on te dit qu'il y a vraiment une belle victoire. Voilà, donc et peut-être un petit peu de souplesse. Il y a des bonnes nouvelles qui peuvent être qui peuvent arriver, et les questions de réconciliation en cas de conflit ici avec ces cartes-là. Donc, si les choses ont été difficiles, cette carte, l'As de cœur, elle fait partie des événements imprévus ici. Si les choses ont été difficiles, eh bien, elles peuvent vraiment nettement s'améliorer. Faut savoir qu'on a quand même le talisman du soleil, et le talisman du soleil, c'est aussi le succès, la réussite, hein, le succès dans les entreprises aussi. Et tu l'as aussi ici avec les déesses qui se prélassent au bord de la rivière Pactole. Donc, tu es en train de te dire, écoute, que si ça a été compliqué, quel que soit le domaine, notamment au niveau relationnel, puisqu'on a la famille ici, eh bien, et ça peut être dans le foyer, bien sûr, ou dans une relation, et que les choses étaient plutôt vraiment au niveau affectif, pas favorable du tout. Au niveau professionnel, ça pouvait être contrarié avec des luttes, des combats difficiles, des conflits. Bah, entendu que on te dit que voilà, ça va s'apaiser tout ça. Hein. Voilà, que si, voilà, les efforts vont aboutir vraiment à une réussite, un succès, une victoire, avec la possibilité d'atteindre le but. Tes buts ou ce qui était important pour toi, de réaliser ce qui était important pour toi, je préfère le dire comme ça. Voilà. Avec la volonté, on l'a vu, hein, volonté, persévérance, se positionner, s'affirmer, sans agressivité bien sûr, mais vraiment avec cette volonté d'y arriver avec une énergie positive, on te dit que les efforts seront récompensés. Voilà. Donc en fait, là, les conflits sont réglés et l'entente. Dans les échanges affectifs revient. Il y a quelque chose qui s'est vraiment nettement adouci, il y a une belle transformation et je pense que en fait tous les conflits, toutes les difficultés ont été simplement montrées ici avec les trois cartes qui sont arrivées en même temps. Voilà. Donc là il y a vraiment de belles. Quelque chose de chouette qui arrive. Je vais terminer avec. Donc pas d'inquiétude et profite de ton été, c'est ça que je souhaite te dire. Ah, non, elle n'a pas voulu. Elle aurait pu. Les cartes médecine que j'aime beaucoup sont des petites. Ça te permet des petites pensées quotidiennes. Alors c'est assez, c'est drôle. L'aigle en ce moment accompagne beaucoup. J'ai fait un petit réel comme ça sur Instagram. Où il est tombé aussi il y a quelques jours, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il te dit, communique avec l'esprit, ressens la liberté dans l'unité, laisse ton esprit s'élever. Voilà. Et hop, on est là. Elles vont ensemble, ces deux cartes. Je te remercie pour ton écoute. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, si j'ai le temps, je profite aussi un petit peu de l'été. Et de ce climat de tranquillité, de sérénité, de douceur, je t'envoie aussi toutes ces énergies de sérénité, de douceur. Profite de moments doux, de tranquillité, de la nature. Quand c'est trop dur, prends une paire de baskets et va marcher, une paire de chaussures, va marcher. Dans la nature, ça fait toujours du bien. Les soucis vont être derrière, en gardant une posture ancrée justement, et la nature te permet de t'ancrer. Merci à toi.